Ouh. Hello. L'objectif aujourd'hui, c'est que moi qui étais désignée volontaire pour faire la fleur du spawn de le cube, eh ben, on va la designer ici. Écoutez, on va le faire en diamant parce que on en profite tant qu'on est en créatif. Ouvert de fleurs en diamant. Ce que j'imaginais, c'est une grosse tige avec. Oh, on va faire un dessin paint. Comme ça, je vais vous montrer ce que j'imagine. Non. Oh là là. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Mais oui, c'est une bonne Pas idée, je te dis. vraiment. Il y aura la base de la plantouille. Ensuite, il y aura des lianes sur le bord avec des petites dents. La vraie tige de la plantouille qu'il y a ici. Oh, on va se servir de ça. Hop, hop. Voilà. Oh, on est tellement doué en paint. Et comme ça, à l'intérieur, là, il y a des dents. C'est le genre de dessin qu'il faut suivre pendant que tu le fais parce que sinon, à la fin, ça ressemble à rien. Et si t'as pas suivi, t'es mort. Alors, il faut penser que sur les tentacules, il y aura des escaliers. Oh, les escaliers, on pourra les faire en quartz pour que ça ressorte bien. Et comme ça, moi, quand t'as des bestioles qui arrivent, bam, elles les bouffent. La fleur, il faut ajouter les dents. Celle du haut, elle est pas assez grosse. Ah oui, et du coup, comme on est en survie, il faut regarder ce que ça donne depuis le bas. Ouais, un banc tire un peu une pierre. Bah, c'est le but, en fait, d'avoir comme des espèces de tentacules chelous. Mais tu crois que c'est le truc, c'est que ça va être compliqué de trouver ça en survie, non? C'est pas facile, fossile. Et pierre en vent. Allez, pierre en vent. Diamant le stack. Ah, d'accord. Bah, dans ce cas, tout va bien. Oui. Regarde, tu tues. Oh, t'es une licorne. Je suis enfin une licorne. La vraie nature révélée au monde. Là, ça a plus la tête d'un narval, pour le coup. Je suis pas un narval, je suis une licorne. Non, t'es un narval. Non, depuis regarde, le début, tu te trompes. Je fais des feux d'artifice, je suis une licorne. Bah après, tu peux essayer de changer des couleurs du nether en étant plus flashy, dans un bleu clair ou un truc comme ça. Tu sais, souvent, les plantes carnivores mettent des couleurs flashy par rapport à leur environnement pour ouais. que les insectes pour qu'on les voit de loin et que les insectes les soient insectes. Attirés. Et là, les insectes qui tournent, par exemple, c'est tu les insectes. Pour que les petits joueurs avec leurs élytras, ils arrivent et ils rentrent dedans. Je poserai en loose day un command block pour dire si tu marches sur le truc purple là-bas, et ben tu es kill instant. Ça serait tellement cool. Ah ouais, en plus je suis sûr qu'il y a plein de joueurs qui vont pas être là, qui vont pas le savoir, il y a moyen de get up en quelques personnes. Et tu mets un chest dessous avec des hoppers qui récupèrent le stuff. Et tu le revends. Ouais, c'est bon, on a dû le mettre mal. Et tu fais le truc qui remonte chez moi, tu sais, ça le met dans mes coffres. Allez hop, je mettrai un petit panneau, ne pas nourrir la plante. Ne pas s'approcher, c'est un peu Merci de vous suicider sur la plante pour la nourrir. Comment on fait un bloc de... ça, c'est faisable facilement parce que c'est joli. Oui. Ça fait peur. Oui, t'as un bloc facile. Pas joli. Mais si, c'est joli. Pas hein? Joli, ok. Je sais pas, c'est complètement artificiel. Enfin, j'ai pas compris. C'est joli. C'est joli. Ah oui. Joli. Moi, je trouve que c'est joli. Attends, je vais le chercher. Je me fais une base, un truc joli. Un tungstène. Ça va bien se passer. Je me cache. Voilà. Je te donne ta permission de me retrouver. Trouver. Non. C'est pas vrai. Juste la tête qui dépasse. C'est trop. C'est trop rigolo, regarde, quand t'as juste le mec qui se déplace comme ça, t'as l'impression que c'est un aéroglisseur ou je sais pas quoi, genre... Mion. Et en plus on est un feu. Bonjour. Et attends, regarde, est-ce que j'ai que la corne qui dépasse là? Oui. Mais il y a ton pseudo aussi du coup. Vas-y, attends, je mets en F1. Vas-y. Il y a que la corne qui dépasse. Ouais. Elle dépasse légèrement. Bonjour. Vas-y, regarde vers le haut. Regarde vers le haut. Ouais, 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 là. Parfait. Incroyable. Ça tu bats. Ok, eh ben go sur Olicube, farmer tout ça. Hein. Eh, par contre, c'est qui a mis un perroquet sur mon escargot? C'est qui la tarte qui a fait ça? Il y a pas beaucoup de monde qui le voit, mais dans le shop de Hypierre, en fait, il y a 35 poissons nommés avec chaque membre de Olicube, en fait. C'est vrai? Ouais, mais il y a personne qui le voit, en fait. Oh, c'est trop bien, je vais aller voir. Bougez pas les poissons. Alors, Edorak. Kéops. Oh, Tungsten, je l'ai vu passer. Ah, je suis verte, bonjour. Alors, je vais derrière. Le vert canard. Ah oui. Zeptuna, chocolat, ce kikio.
Goldown, Magic Nup. J'aurais préféré être un poisson perroquet dire. Oh, monsieur Zanzac, vous êtes violet et jaune. Oran, clin. Et gros, je suis gros. Quoi? Mais non. J'ai dit violet et jaune, pas gros. Mais si, regarde, je suis gros. Ben, ouais. Je suis un gros poisson. Non, t'es le même que les autres. Ah bon? Bah oui. Ça fait le violet et jaune qui donne un effet de... Bah, pas, faut pas complexer sur votre poisson, monsieur Zag, hein, soit bien se poisser, hein. En tout cas, il est trop mignon, leur shop. Ça fait des petites bouées et tout. Oh, c'est trop cute. Non. Trésor, prenez gratuitement un item. Oh, c'est trop mignon. Est-ce que si je fais ça, ça nous tue? Mais oui. Oui. Je prends un gold ingot et je vais l'échanger avec un pingouin. Je vais fructifier mon gold ingot. T'as tué des poissons. Ah bah GG. Ah bah super. J'ai tué des poissons. Ah bah merde. Super. Ouais, ouais, ouais. Bon bah maintenant... Maintenant, monsieur Zanzag, vous avez comme mission de repérer lesquels, quels membres de l'équipe n'ont plus leur prénom et les remplacer. J'aurais honte à votre place. Et mais elle a raison, ça va être le tribunal pour Zanzag. Ah ouais. Ah ouais, tu pour meurtre voulez, hein. De... Oh, par contre, oh, psik, grâce à toi, j'ai une tête de poisson. Excusez-moi, c'est la joie. Bon ben, je t'aiderai à les remplacer. C'est ah, je suis contente. Yes. Par contre, ils sont tous tellement serrés, ça va être compliqué. C'est qui le petit jaune là? Est-ce que tu vois un Alkazim? Alp, c'est Pierre Bazon, Cleanwood, Goldam. Alkazim, je l'ai vu. Alkazim, ok. Hop. Alpsaz, aussi connu sous le nom de Splat. Va falloir qu'on pêche, on n'a pas de name tag. Oh, vas-y, on fait une soirée pêche. Ah oh ouais. Ah oh ouais, allez, on va tous pêcher. Ah, si on renomme le saut, ça renomme le poisson, c'est vraiment vrai ou... Oui, oui, ça c'est vrai. Oh, bah j'ai grave. Ah bah on va pêcher. Pas... Ouais, viens, on va pêcher, on confond. Ouais, on va pêcher. Comment ça, c'était une excuse parce que j'aime bien pêcher pendant des heures sur Minecraft. Oui. Oui. Non, on remet des poissons, mais c'est genre des poissons de merde, genre des truites. Tu sais. Le saumon. On y met des poissons nuls. Oh, oh, pour remplacer le tungstène, j'y mettrai un petit poulet par contre. Hein. Ce que j'aime bien, c'est faire ça. Parce que du coup, voilà, tu peux plus avancer. C'est contre-productif. Mais je le fais quand même. Je veux pas m'en empêcher. On est parti. Ah, je vais vider mon inventaire. Comme ça, moi, j'aurai de la... Oh, je vais peut-être ranger mes diamants. Quoi? Viens là. Ouais. Allez, on va pêcher. Non, allez, on va pêcher. Tu te calmes. Moi aussi, je te pêche si je veux d'abord. Voilà. Allez, tu vas faire quoi? Allez, quoi on va pêcher. Tu vas faire quoi? C'est quoi qu'on va pêcher? On va pêcher, non, là non, et là, on va pêcher. D'abord, je mets la tête dans les coffres. C'est pas possible. C'est moi. Tiens, hop, ça c'est pour toi, petit perroquet d'amour. Comme ça, moi, tu salis pas tes petits pieds. Eh oui. Un petit tapis pour mon petit perroquet d'amour. Donc, là, il faut pas tomber dans le trou, ok? Tu c'est bon, on a fait le tour. Je pense que c'est pas gagné. Hein. C'est une tortue. À mon avis, on dirait... Tu l'as fait tomber dans l'eau. Oui. Et tu l'agresses, pauvre bête. Mais non, je l'agresse pas, on part à l'aventure. Mais... Ah ben, elle revient. Ah ben, elle était courte, ouais. Ton aventure, hein, madame la tortue. Oh. En fait, ce qu'on fait, ça sert à rien. Mais c'est agréable. Non, eh non. C'est pas moi, c'est Alspesez qui me l'a dit. Alspesez. Mais il est pas là. Non, il est pas là. Alps, l'homme qui surchurait. L'homme qui chuchote à l'oreille du poulet. Hein. Ça te dit, on fait un concours de poissons? Ouais. Genre, un gage, celui qui... Le premier qui pêche un livre enchant a gagné. Celui qui gagne doit faire l'animal de l'autre. C'est-à-dire que moi, je dois faire une licorne, toi, tu dois faire un canard. Oh, c'est terrible. Ah oui, donc si je gagne, je dois faire une licorne. Si tu gagnes, tu dois faire un canard. Ok, c'est hyper risqué. Bon, Ouais, il y a des vrais enjeux, là, monsieur Zag. Mais je dis pas, ah ouais. Non, il y a un drone de. Pfff, pfff, pfff. Ah, il m'a
Mais là, non, mais je vais mourir vraiment. Ah, on arrive. Ah, il y a un trident. Ah bah bravo. Ça, c'est pas possible. Oh non, je suis tellement loin. Ah, il y a ta tête. Ah, je suis tellement loin. Il y a ta tête qui flotte. Si vous voulez venir pêcher. Ah, vous pouvez venir pêcher aussi. Plus on pêche, plus on pêche. Voilà, c'est... Écoutez, laissez-moi le temps de vider mon inventaire et je ne le fais pas. Ah ouais. Et alors, même... l'équipement obligatoire pour le pêche, c'est un bateau et une canne à pêche. Si possible, beaucoup de temps. que... oui, bon ça devrait aller. Quoi, pas de quoi tu parles. Un M-tag. Oh, j'ai cru que t'allais pêcher. Hein. Oh, non. Une canne à pêche. Oh. Et non. Un arc. Oh. C'est un livre qu'on veut. Bon, du coup, faut changer les gages, vu que s'il y a Monsieur Meuleux de Gjeu qui participe. Si tu perds, de mettre un stuff rose pendant 24 heures. Pendant 24 heures ouais. Aïe, 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 aïe. Ouais. Celui qui gagne, il fait perdre les deux autres, c'est ça l'idée. Un peu ça l'idée, ouais. D'accord. Et alors, si Emel gagne, nous, on fait quoi? Non, celui qui gagne choisit le stuff que portent les personnes qui perdent. Ouais, ça me va parce que je me sentirais vraiment pas sur un canard. Interdiction au Curse of Binding. Vous avez vu, on fait concurrence à Estonk. Là, je suis sûr qu'il trempe de peur. Je te vois, Ebel. Me v'là. Je t'en visuel. Oh. Bonjour. T'es à 2m30, je t'en visuel. Ah, faut qu'on pêche au même endroit. Ah bah écoutez, attendez, bougez pas. Faut pas croiser les faisceaux, hein. Attendez, on va mélanger nos lignes là. Ouais, faut pas croiser les faisceaux. Sinon, ouais. Les c'est ma première pêche en plus. Hein. C'est vrai. Ah oui. Oh. Vous savez que je suis toujours pas allée dans l'Inde. Voilà, je vous le dis. Ah. Mais ça va être horrible de savoir à qui ça appartient le truc qui bouge là. Ah, ouais, bah, écoutez, c'est le bouchon qui s'enfonce. Je suis trop contente d'avoir une tête de poisson. Bon, c'est la faute à Zanzag et du coup, on en est là à cause de toi, mais c'est bien quand même. J'ai une selle. Tu sais qu'on n'est pas du tout obligé de faire ce qu'on est en train de faire, oui, pour réparer notre connerie. C'est important. Ouais, on est d'accord. Moi, j'ai vidé la moitié de mon inventaire derrière moi. Ça se voit, hein, y a des trucs qui traînent. J'ai un livre, j'ai gagné. Oh là là là. Loyalty 3. Oui, j'ai gagné. C'est moi que je choisis le stuff que vous allez porter. Attendez, je me redresse. J'aurais peut-être pas dû venir en fait. Ouais, c'est honteux. Tiens, j'ai gagné. C'est honteux. Pour Monsieur Zanzag, je propose un stuff jaune canari, parce que je sais que vous adorez les canaris. On va torcher des grottes, est-ce qu'on peut le retirer? Ah bah non. Tu vois, genre, apparition. Non. Bah écoutez, monsieur, vous avez perdu, vous avez perdu. Mange pas, c'est pas grave. Ah, on se fera un petit dragon ensemble, peut-être. Pour Monsieur ML, Monsieur ML, je vous trouve bien dark, je vais vous faire un joli stuff blanc. Oh. Je vais ressembler à un poulet après, hein. Oui. Monsieur Meuleux de Jeu, je vous offre votre nouvelle tenue. Je me suis planté, attends. Bon, bah ça sera un light gray, hein, le plus, top. C'est même pas réparé. Ah non. En gros, tu me refiles des vêtements utilisés depuis combien de temps? Et t'es lavé avant quand même. Non. Hein. Beau comme ça. Bon, Emel, je te propose une bataille de points. Ah, je suis une abeille. Emel, c'est un pigeon gris. Une mouche. Bon, Emel, je te propose de retirer tes élytras et bataille de points jusqu'à ce que le stuff broque. C'était pas dans les conditions du contrat, ça compte, non? Il y a peut-être un cactus qui traîne quelque part. Si ça break, vous pouvez l'enlever. Danse. Oh non, j'ai toujours pas de name tag, je vais le mettre à l'envers parce que quand ils dansent et qu'ils sont à l'envers, ils sont encore plus beaux. C'est trop bien. Bah ouais, carrément. Que regarde, comme c'est mon perroquet, là il peut voler à l'envers. Bonjour. Vous flottez, monsieur. Le sol n'est pas très palpable chez vous, monsieur. Il a l'air bien. Nous assistons à un phénomène étrange. La poulet, voilà. Chercher ton stone cutter si ça te dérange pas. Comment le mec il veut me piquer mon stone cutter? J'en ai pas sur moi. Ah ouais? Ah regarde, tu sais quoi? Je peux faire une entrée d'artiste. Regarde, je veux pas regarder. J'ai tourné la tête pile à ce moment-là. Tu vas faire quoi, hein? Pardon. Tiens ton bloc et ton stone cutter. Oh, il m'a piqué mon bloc en plus. Pourquoi une fleur? C'est très simple.
En gros, tous les ans sur les cubes, il y a une fleur au spawn. Et cette année, j'ai été désignée volontaire pour la faire. Pas besoin, ça non plus, ça non plus. Donc pour faire un pied à con, il faut une trappe d'or. Comme ça. Trappe d'or et pressure plate. Comment on fait une pressure plate? Tu sais comment on fait une pressure plate, toi? Que je le mets là. Poup. Ah là là, je rentre chez moi. Oh non, non, oui, non. Ouais. C'est pas mal. Ça marche bien. Ouais. Pourquoi le perroquet à l'envers? Ah bah quand tu renommes un perroquet d'Innerbone, enfin n'importe quel mob d'Innerbone, il se met à l'envers. Ça fonctionne avec tout, on a tout testé. Les tortues, les cochons, les dauphins, tout. Ah si. Ouais. Hop. Ah, et pas, voilà. Je vais pas prendre les émeraudes dans le coffre. On peut prendre des émeraudes, je les ai pas pris. Ah. J'arrive. Pour cela, je vais prendre le chemin extrêmement rapide. Poup. Tu crois que ça marche, le Innerbone, sur les golems et tout ça? Ah oui, ça fonctionnait. Ah, il est très beau comme ça. Ah. Pourquoi je mets ma cam aussi petite sur live? C'est très simple, parce que je ne suis pas une joueuse League of Legends. Voilà. Pardon. Ah, mais ça a tout changé. Je fais à la boutique de Monsieur Aïe Pierre pour lui acheter de la prise marine. Tiens. J'adore la prise marine. Non mais je m'en vais. Agression des oreilles, je m'en vais. C'est pas... J'ai envie de mourir. Oh, c'est pas possible. Je vais demander au commissaire Nems d'intervenir pour mauvais goût. Donc il a dit un diems de stack. Ok, très bien. Baby shark toutou toulou toulou. Oh non, j'ai dans la tête. Oh là 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 là. On va vraiment faire appel au commissaire Nems, hein. Monsieur oui. Zanzang, est-ce que je peux te taxer une potion? Ceci est une trousse à pharmacie. Oh. Pourquoi il y a des fusées dans ta trousse à pharmacie? Est-ce que tu es fusétophile? C'est des suppositoires. Je comprends. J'ai pas envie d'en parler. Je comprends. Un screenshot. Oui. Oh trop bien. Ouais. Ouais, coucou. Ouais, maman, je passe à la télé. Ouais. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Abonne-toi, viens faire un petit coucou sur Twitch et Twitter. Et sinon, on se voit à la prochaine. Des bisous. Je vois pas de quoi tu parles.